Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. J'espère que ça va bien. Donc attendez, parce que je vais régler un truc. Ah, désolé. Voilà, reprendre. J'espère que ça va bien. Je dois vous montrer un truc extraordinaire. Donc pour commencer, je vais d'abord mettre jour, sinon on voit rien. Et c'est pas marrant. Voilà. Ça, il fait jour. Et je vais vous montrer un nouveau mode que j'ai trouvé. Enfin, c'est pas un mode, en fait, c'est un pack de textures. C'est ce pack de textures-là. Vous l'aurez dans la description. Il est merveilleux. Regardez qu'est-ce qui a changé. Regardez, ça bouge tout seul. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Les plantes bougent tout seul aussi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magique. C'est waouh. J'ai toujours cherché après un pack de textures comme ça. J'en suis content. Donc ce pack de textures là est Fanful Revenger, c'est un truc comme ça, un nom comme ça. Donc il est. Regardez comme c'est beau. Donc je vais vous montrer le pack de textures où il se trouve. Donc le pack de textures. Enfin, je vous ai mis un lien. C'est celui-ci. Donc voilà, c'est un pack de textures extraordinaire, vraiment magnifique, 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 absolument magnifique. Non, je rigole. Donc voilà, je trouve ça, mais ça donne une vie en plus au jeu. C'est déjà un plus quoi, sérieusement, je kiffe, j'aime beaucoup. Oui, les peluches, oui. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Je suis trop content d'avoir trouvé ce pack de textures là. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment manique. Désolé. Je sais pas pourquoi je dis ça. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Trop beau. Mais il n'est pas inconnu, hein. Frigel Tiffano l'avait utilisé, hein. Utiliser ça. Ils avaient déjà utilisé ce pack de textures avant. Hein. Je sais parce que j'avais vu Man Biloulette l'avait déjà utilisé. Donc c'est pas nouveau en fait, il suffit de trouver. Moi j'ai tapé comment trouver un mode qui permet de faire bouger que les feuilles et donc les plantes et c'est tout. C'est tout ce qui m'intéressait parce que j'ai pas assez de puissance pour mettre un shader. C'est un PC portable, je rappelle. Un HP. Donc ma carte graphique, comme c'est une Intel Family HD, c'est une carte vidéo graphique, eh ben c'est pas assez puissant pour avoir un shader. Même les plus faibles ne fonctionnent pas. Mon Minecraft plante tout de suite. Et ça c'est dommage. Mais voilà, je peux pas me faire plaisir, quoi. Je vous casse ça parce que c'est moche. Non, voilà, oui, j'ai fait une expérience ici. C'est que j'ai activé les Lucky Blocks, donc du coup, ben il y en a du bordel. Là, il y a tous mes chiens là parce que je peux pas m'en dépasser. J'aime bien garder les chiens. Oui, je suis comme ça. J'ai des moutons, j'ai un villageois. Ça, c'est avec les Lucky Blocks en fait. C'est bordel total. Je peux vous en faire montrer un. Enfin, je peux vous en montrer un, pardon, c'est pas français sinon. Ah oui, mais c'est juste ça, ça bouge indéfiniment en fait. Lucky Block, Lucky Block, Lucky Block. Ah, mais vous êtes où? Bon, je sais pas pourquoi il y en a 50. Prendre celui-là. Oups, pas autant, non. Pas autant. Bon, ok, va pour ce nombre-là, mais mon habitude. En fait, je vais prendre le nombre que j'ai assez de place dans mon inventaire, donc comme ceci.
Voilà, et le reste, je supprime. Et voilà. Et voilà ce que ça va faire. Un village. Un village, ouais, d'accord. Bon, on va aller un peu plus loin parce que je tiens déjà à mes trucs ici. D'accord. Oui, j'ai pris Lucky Block qui porte sans plus change qu'autre chose. Hein. J'ai pas envie de me prendre la face. D'accord. Oh, du poisson. Oh, des chats encore. Génial, je suis content, j'adore les chats. Une table d'enchant, ça, je la pique. Je sais pas à quoi ça va servir, mais merci quand même. Voilà, vous avez vu qu'est-ce que c'est. Après, je peux tester aussi le Lucky Block, super dangereux, à moins 80 là, mais je j'ai pas envie. Mais voilà, c'est ça en fait que j'ai fait pendant que j'étais occupé, j'ai expérimenté avec ces trucs-là. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais foutre avec ça. Ah, je vais remettre tout ça, je peux mettre sur ma tête. Dommage qu'il me manque quand même quelque chose, mais c'est pas grave, ça me donne des tocs quand même. C'est quoi? Tant qu'on y est, pourquoi pas. Je vais faire quelque chose. Donc comme je dis ici, c'est simplement le mode de tranquillité. Voilà, c'est un peu mieux, parce que sinon c'est moche. C'est le mode de tranquillité, donc ça veut dire que je joue en m'amusant. Je m'enfouille, il n'y a pas de règles. C'est la zone où je peux tout faire. C'est la map où je peux faire tout ce que tout ce qui me passe par la tête, sans devoir donner vérité ou propos aux gens. Enfin, ça veut dire ouais, désolé. C'était pour un test. Non, il n'y a pas de test, il n'y a rien. Ici, c'est détente. Quand je n'ai pas envie de me casser la tête, eh ben, c'est ma map. Ça s'appelle Narnia d'ailleurs. Et voilà, c'est ma map où je fais tout ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête. Donc, je fais souvent même du survie en trichant un peu. Mais il n'y a que ici que je fais ça. C'est pour faire des tests, pour voir des trucs ou. Souvent j'essaie de tenir, souvent j'essaie de faire d'autres tests, mais c'est que sur cette map-ci, voilà. Les autres maps, je ne le ferai pas, parce que ça se fait pas, c'est tout. Mon Dieu, que c'est beau. Je ne le ferai jamais sur les autres maps, parce que sinon ça serait plus du jeu, simplement. Oula, il y a un d'acquisé. Ah merde, il y a mon Bipender qui tabalote. Voilà. Et hop là, dans ma gueule. Voilà. Donc vous avez vu un peu à quoi ça sert. Donc je vais retourner dans ma maison. Et parce que je risque de me perdre sinon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de voir qu'on peut trouver un pack de textures complètement dément. Je vous mettrai le lien dans la description. J'espère que vous allez faire plaisir. Vraiment plaisir. Oui, il faut un peu patienter un moment quand même parce que. Par contre, pour ça, j'ai jamais compris pourquoi ça fonctionne toujours autant. Voilà. Oui, donc voilà, j'espère que vous pouvez vous faire plaisir en voyant cette vidéo. Enfin, je veux dire, en voyant le mode, enfin, le pack de textures qui permet de faire ça. C'est quand même un pack de textures, c'est pas un mode, hein, et c'est quand même assez, c'est vraiment pas mal. Tout cas, moi, je trouve que ça donne une vie en plus. Ça me fait plaisir. Je ferai des aventures avec ce pack de textures là, tiens. Je sais que c'est pas un pack de textures. C'est pas un pack de textures
comment dire, nouveau. C'est un vieux, un très vieux à mon avis. Il date de très longtemps puisque comme j'ai rappelé, enfin je sais pas si c'est dans cette vidéo que j'ai dit, mais Biloulette et l'artiste. Biloulette et Siphano, ou non, et Frigel ont utilisé ce pack de textures au début de certaines aventures. Donc c'est pour ça que ça m'a dit quelque chose tout de suite. Mais au moins ce pack de textures est génial parce qu'il permet vraiment de se faire plaisir. Faut dire, c'est waouh quand même, c'est fluide. Regardez-moi ça. L'animation, c'est d'animation quoi. Je vous fais vraiment des premiers dégâts, je trouve. Vraiment, oui, il est paisible, hein, c'est pour ça qu'il fait rien, lui. Voilà, je vous fais vraiment une démonstration, mais regardez comme c'est. C'est waouh. Voilà. Avec plus les arbres qui bougent un peu, ça donne un peu plus de vie. Ça donne un peu plus de pétit, comme on dit. Donc. Ça va? Ah ouais, t'es mignon toi aussi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, je vais éviter de taper parce que je risque de faire mal au. Voilà. Bon, allez, à plus. Pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu.